Nous sommes donc à l'UNESCO. Hein. L'UNESCO, c'est le temple des Nations Unies de l'éducation et de la culture. Nous sommes ici pour annoncer la bonne nouvelle comme quoi la rumba congolaise des deux Congo a été admise au patrimoine immatériel de l'humanité. Et nous allons rencontrer l'ambassadeur délégué permanent du Congo à l'UNESCO, M. Henri Osebi, qui nous a accordé une exclusivité en cet endroit, du côté des permanents, pour justement parler de cette très 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 bonne nouvelle des deux Congos, voilà, et la rumba ne nous appartient donc plus, et en conséquence, il y aura beaucoup beaucoup d'encadrement pour que les choses aillent mieux, pour que les artistes soient plus encadrés, soient plus vivent de leur art, voilà, je ne vous en dis pas plus, Monsieur Osebi nous en dira davantage. Donc voilà, bienvenue à l'UNESCO, bienvenue la rumba dans ce temple de la culture. Nous sommes avec Monsieur Henri Osebi, donc ambassadeur délégué permanent du Congo auprès de l'UNESCO. Nous sommes dans son bureau. Il nous a accordé une exclusivité par rapport à la nouvelle qui vient de tomber depuis le 14 décembre. Effectivement, la rumba vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, Monsieur Henri Osebi a accepté de nous recevoir. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, félicitations. Merci. Félicitations. Et donc, j'ai envie de voler. Vive la rumba. Est-ce que vous pouvez nous chantonner quelque chose? Oh. Je n'ai pas une très belle voix, surtout ce matin. Congo est un inamo qui vit à Congo, Congo, mon lili et ses lili. Si, Congo, le Pocota, c'est le Bosso, Pocota, Anassi, Matteo. Tola, Kissina, Missoya, Molongo, Mouvimba, et Congo, Moké, Zali, Congo, Monel. Chico, le bon guito, bon guisao, ma kambuka, ti yamboka. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, le jour se lève sur le Congo. Mm-hmm. Nous sommes sortis de l'obscurité. Et nous n'allons plus regarder en arrière, nous allons avancer. Et donc, la rumba est sortie de l'obscurité. Je crois qu'il n'y avait pas meilleure chanson pour introduire cette discussion que de se souvenir de Jean-Serge Essou, auteur compositeur de cette chanson, qui a été l'un des créateurs de Boketa 156. Il a été l'un des créateurs de Bokamambo 59, a amené aux Antilles françaises, notamment des airs congolais dans le rico jazz, jusqu'au point d'être primé meilleur artiste du carnaval en Martinique. En sage, alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement que la rumba fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité? Ben, le patrimoine immatériel, c'est celui qui justement est défini par l'ensemble des œuvres créatrices de l'esprit, qui ne sont pas des œuvres physiques, c'est-à-dire des œuvres de l'esprit, des œuvres de la culture, des traditions, des coutumes, des danses, et qui ont un lien organique profond avec tout ce qui concerne l'identité culturelle des peuples d'où ils sortent. D'accord. C'est la raison pour laquelle ça peut être des plats de cuisine, ça peut être des danses, ça peut être des traditions folkloriques, ça peut être, des pratiques d'élevage de faucons, ça peut être des arts initiatiques, etc. etc. Et donc, l'UNESCO, dont la vocation est d'être le trait d'union entre toutes les cultures du monde, parce que c'est quand même le centre intellectuel, d'une certaine manière, le garant de la diversité des cultures, a pensé à créer cette convention par laquelle les États parties proposent, chaque fois que de nécessaire, les éléments issus de leur culture identitaire pour une validation, de façon à ce que ça sorte de leur propre socle pour appartenir désormais au capital commun du monde. Ça suppose une gestion autre. Ça suppose une gestion autre, ça suppose d'abord des critères rigoureux, un cahier des charges, une exigence, des conditions à remplir. Et lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ben l'élément n'est pas retenu, il est ajourné. Et parmi les critères, il y a notamment la contribution des communautés destinataires ou des communautés émettrices de cet événement. Il y a entre autres les politiques qui sont mises en œuvre pour favoriser le dialogue des cultures, semer la paix,
Il y a entre autres l'impact de cet élément culturel dans la vie, depuis ses origines, etc. etc. Et donc, au niveau de l'UNESCO, lorsque l'on accepte qu'un élément accède à ce statut-là, c'est juridiquement une espèce de consécration qui va bien au-delà, puisque désormais, ce n'est plus rapatrié au pays d'origine, c'est désormais partie intégrante, quel que soit l'endroit où on se trouve de la planète, on est en mesure de savoir ce que c'est que la rumba congolaise. Congo lelo Congo monene, lelo vraiment to moninga miso, bandenge mboka Congo ebongi. Oyamba lelo losakola ngai, pola ilite oya Congo, pola na mibeko ya Lumumba, pe kisasa na basa toyokana. Bon, dans le cahier des charges, il y a des choses qui pourraient être des choses, j'allais dire entre guillemets, des choses nationales et des choses qui sont des charges internationales. Au niveau des choses nationales, ouais, un élément comme la rumba, qui est a priori un élément banal dans la vie de tous les jours, lorsqu'il est élevé à ce niveau-là, ça veut dire que les gouvernements qui ont pris la responsabilité, je salue au passage nos deux chefs d'État qui nous ont mis en mission, le président Denis Sassou Nguesso et son collègue, son homologue, lorsqu'ils ont pris cette responsabilité, on sait que derrière, il faut qu'il y ait une politique publique sectorielle qui suive. Quand vous partez de la rumba, vous apercevez qu'aujourd'hui, la rumba est labellisée, mais à l'origine, les pères fondateurs, les pères créateurs n'étaient pas des musiciens professionnels à proprement parler. Le professionnalisme est venu après, lorsque on s'est aperçu que la coopération pouvait avoir une rentabilité économique, financière, mais pour ceux qui ont réussi, qui sont une infime minorité, le gros des troupes est constitué par des gens qui vivent encore au quotidien de la débrouillardise. C'est le secteur informel, c'est des jeunes déscolarisés, c'est des apprentis, c'est des gens qui ont probablement des talents, mais des talents cachés, et qui peuvent vivre, ils vivent, j'allais dire, à la pièce, ils vivent à l'événement. Il y a un retrait de deuil, ils sont appelés, on les paye. Il y a un mariage, ils prestent, on les paye. Quand ils enregistrent un disque, s'il y a des royalties, ça va entre les mains de l'auteur principal. Bon, généralement, lorsque ça redescend, ça devient d'une part infime. Donc, ça ne nourrit pas son homme. Et puis, la culture dominante de nos parents était que la carrière de musicien, l'activité de musicien, était assimilée à comme une activité marginale, sinon délinquante. Il n'était pas respecté. Il n'était pas crédible, il n'était pas légitime. Et quand on disait qu'un musicien ne peut pas épouser une étudiante comme chantait Pamela et tout, mais c'est parce que l'on aspirait aussi à dire, bon, après tout, c'est une profession comme une autre. C'est maintenant que de plus en plus, on commence à se rendre compte que X, Y vit de sa musique et commence à devenir prise au sérieux et donc devenir un parti pour les jeunes filles de l'époque. Donc, pour les politiques sectorielles à promouvoir, les gouvernements qui ont la chance de se sentir épaulé par l'UNESCO doivent dorénavant incorporer la gestion de la rumba, de la musique de façon générale, dans les politiques de développement, parce que c'est un site qui a énormément, c'est un gisement d'opportunités. Prenez l'exemple du son cubain, de la rumba cubaine. Le tourisme, qui est l'une des sources principales de revenus pour Cuba, est aussi un tourisme culturel. Les gens vont jusqu'à Santiago du Sud, de Cuba, pour aller visiter les sites où est née la rumba, la tromba et tout. Quand vous allez au Brésil, le carnaval de Rio, c'est quand même aussi un événement qui attire beaucoup de touristes. Donc, dans notre pays, on peut avoir une destination rumba. Mais au-delà du tourisme, doit être intégré dans les curricula, dans les cursus, dans les cycles de formation. La rumba n'est pas une musique écrite, il faut qu'elle le devienne. Les supports qui transportent la rumba sont en train de disparaître, ils restent entre les mains de certains collectionneurs. Il faut faire un travail de collecte et de documentation, de rassemblement et de numérisation de ces supports, de façon à ce que les deux côtés de la rive, on puisse avoir des sites ou des lieux où on peut arriver à accéder aux chansons qui ont été enregistrées
chez Olympia, chez Sengo, chez Ngoma dans les années 50-60. Au-delà de ça, il faudrait aussi qu'il puisse y avoir, à l'instar des festivals qui se font, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Congo, chez nous, des villes créatives que nous avons de festivals, il faut réhabiliter ces festivals pour que les fonds générés par l'activité Rumba puissent être réinjectés dans les circuits économiques. Il faut qu'il y ait une professionnalisation des carrières. C'est-à-dire que désormais, on peut très bien destiner un jeune Congolais à devenir un flûtiste, un guitariste, un violoncelliste, un saxophoniste, émérite, parce qu'il aura appris très tôt à maîtriser l'instrument. Donc, c'est des champs très ouverts qui sont ouverts à nous pour que l'on puisse le faire. Et puis derrière, il y a la protection juridique. Il faut qu'il y ait un statut. Il faut des droits d'auteur qui soient respectés. Il faut lutter contre la piraterie, etc. etc. Donc, on va élever le niveau de contribution de la musique en prenant en compte tous les aspects qui sont jusqu'à présent un peu négligés, parce que ça va désormais être reconnu comme un patrimoine. Et nous devons prendre des comptes. Il faudra que quelque part, un jour, nous puissions aussi dire, mais on vous a labellisé, qu'est-ce que vous en avez fait? Et donc, ça suppose du financement, tout ça, et de la pédagogie. Ça demande de la pédagogie. Et comment, par exemple, comment on va varier les choses pour s'organiser? Ça, je veux faire confiance au président. Vous savez qu'en 2006, j'étais à l'époque ministre de l'enseignement supérieur. Le président de la République a assisté ici à l'UNESCO en novembre 2006 à la cérémonie au cours de laquelle le DG de l'UNESCO, à l'époque M. Koichiro Matsuura, a élevé Jean-Serge Tissou à la dignité d'ambassadeur de la paix pour le compte de l'UNESCO. La constitution de notre pays dit entre autres que le président de la République est le défenseur et le conservateur des arts et des lettres. Donc c'est le plus grand mécène de la République. C'est lui qui a aussi donné à Edo Gamla, avant sa mort, la reconnaissance à travers l'octroi du grade de commandeur dans l'ordre du mérite national, avant sa mort. Donc, il n'y a aucune raison que nous puissions douter de la capacité de notre président, qui est un urbain, qui est quelqu'un qui sait ce que c'est que la rumba, qui a fréquenté les endroits où on écoutait la rumba, qui aime danser, qui est entouré d'une famille et de gens qui aiment ce genre de choses, de la même façon de l'autre côté. On ne peut pas concevoir un dirigeant de chez nous qui n'aime pas la rumba. Par conséquent, on peut leur faire confiance pour que, quelque part, on puisse augmenter tant soit peu la part du budget national qui est alloué à la culture et spécifiquement à la rumba et à la musique. Un jour tu es bien, tu es important, tu es bien content. Un jour tu as mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souillant, tu es plein d'argent. T'aimais pocher, demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Et selon vous, quel serait l'impact de cette décision sur la diplomatie culturelle africaine? Mais vous savez que déjà ici à l'UNESCO, la victoire que nous venons de remporter n'a pas été seulement portée par les deux Congos. Il a fallu qu'il y ait un lobbying efficace, constant, solide, venant déjà du groupe Afrique centrale à l'UNESCO, mais aussi relayé par l'ensemble du groupe Afrique. Donc c'est une victoire africaine au sens large, puisque à l'occasion de la cérémonie de gala qui a clôturé la session de cette année de la Semaine africaine à l'UNESCO, on a accordé à la rumba la place centrale comme étant le signal de la soirée de gala. Donc c'est toute l'Afrique qui était mobilisée identitairement autour de cela. Maintenant au plan de la diplomatie. Bon, à partir du moment où on dit la rumba congolaise, demain peut-être qu'on va parler de la rumba africaine. Aujourd'hui on dit le reggae jamaïcain, mais on ne dit plus le jazz américain, on dit le jazz. Voilà, donc il faut espérer que d'ici quelques années, l'adjectif qui nous rapatrie à nos origines s'estompe petit à petit pour qu'il y ait une véritable dimension d'universalité. Si elle a une dimension d'universalité, ça veut dire que c'est un vecteur du rapprochement des cultures, quelque part. Et dans ce contexte d'aujourd'hui où le multilatéralisme est un peu mis à mal et secoué, l'UNESCO qui est le temple par excellence de la tolérance, de la diversité, du respect des identités culturelles, ne pourrait que mieux s'appuyer sur cet élément constitutif de l'identité africaine pour faire passer les messages liés à l'Afrique. On peut faire passer un message lié à la paix en Afrique à travers la rumba. On a recommencé le pont sur le Congo, vous voyez bien. Donc, les chansons de Kabasele, les chansons de Jean-Pierre Moukaka magnifient cela, l'unité africaine et tout et tout. Donc, il faut qu'il y ait des cérémonies comme la Coupe d'Afrique des Nations, des cérémonies comme le Festival de Cannes. Bref, beaucoup d'événements mondiaux devraient désormais porter la marque
de la culture et en particulier des productions, des pratiques urbaines, des pratiques musicales comme la rumba. Okay. Et donc la rumba, c'est une langue. C'est une langue, elle est chantée en lingala souvent. C'est une danse, c'est un rythme, et c'est une façon de s'habiller aussi. C'est un genre musical. C'est un genre musical. Qui ne peut se concevoir sans la danse qui l'accompagne et sans la présentation de soi, c'est-à-dire le port vestimentaire, que ce soit de l'homme ou que ce soit de la femme. Mais absolument, vous avez très bien trouvé la chose. Et justement, vous m'offrez là une occasion. Vous savez que la rumba, à l'origine, la rumba classique, entre guillemets, la rumba ondemba, comme disait le Kenyas, elle se dansait en couple. Et à l'époque, dans les villes où les bars sont nés, la rumba était généralement programmée en fin de semaine, parce qu'elle était le moment de détente pour des travailleurs, pour des salariés, pour des gens qui trimaient toute la semaine et qui n'avaient pas l'occasion de pouvoir se détendre. Et généralement, on se faisait beau. Papa et maman s'habillaient, comme disait la chanson, « Kanga li putato kino malinga ». Malinga. Dans une espèce de présentation de soi. Et l'extension que l'on a donnée à ce concept de présentation de soi a produit, entre guillemets, cette catégorie de jeunes gens ou d'hommes réputés élégants, réputés soucieux de leur présentation, que l'on appelait les sapeurs. Mais les sapeurs ne sont que les lointains successeurs des élégants de l'époque. Ils ne peuvent pas avoir de bar sans les élégants ou les élégantes. Les associations féminines, comme la Violette, comme la Monde, c'était des associations qui servaient à l'époque à ornementer, à agrémenter la prestation des orchestres, parce que c'était des associations d'élégantes en face desquelles il y avait des élégants, Maître Toro, Dali Carafa, à Brazzaville, Molina et autres, qui avaient la réputation d'être les Miziki, c'est-à-dire les associations d'entraide, les associations culturelles qui, entre autres, ont valorisé la rumba. Certaines sont même devenues des chanteuses à l'époque. Marcel et Bibi, Lucie Yenga, bon, et j'en passe. Marie Bella à Brazzaville. Et donc la rumba, c'est comme vous le dites, un genre musical, c'est-à-dire une certaine manière d'écrire avec une grammaire, une syntaxe, des instruments et tout. C'est également un pas de danse, mais aujourd'hui un cocktail de danse. Je dis bien cocktail parce qu'il y a un mélange depuis les années 70 de danses qui s'entrechoquent, qui se succèdent les unes aux autres avec des tempos différents et des pas différents, des chorégraphies différentes, mais qui restent toutes issues d'un socle commun qui était celui de la rumba. Et maintenant, il y a en plus de cela les formes de pratiques sociales qui accompagnent le quotidien de ceux qui viennent ou qui écoutent la musique. Et c'est là où on incorpore la notion d'ambiance. On ne peut pas concevoir la rumba ou quel que soit l'endroit sans se référer à l'ambiance urbaine. L'ambiance, c'est pas seulement faire la fête, mais c'est l'état d'esprit. C'est ce qui motive les gens les uns vis-à-vis des autres. C'est en cela que la rumba est un segment important du rapprochement et de la célébration du vivre ensemble. C'est ça qui est très important. Moi, je suis née dans la rumba et je ne suis pas la seule. Donc la rumba, on passe en compte à nos parents, absolument. C'est notre vie à nous, notre enfance et la vie d'aujourd'hui. Absolument. Et ça a traversé les frontières. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah mais je pense que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Moi, les gens dont je parle, Kabasele, Nico, Rochero, Essou, Nino Malapé, Paul Kamba, Mundanda et autres, pour ne prendre que ceux-là. Et les milliers à Belle. Oui, mais ça c'est un peu après. Bon, ça c'est un peu après, mais prenons les fondateurs. Disons, les musiciens qui sont là, pratiquement de 50 jusqu'à 60, 65, je n'ai pas dansé avec eux. Je n'étais même pas en train de penser qu'un seul jour, j'irais sur une piste de danse. Moi, j'ai fait du chant choral. Je chantais à la chorale des Pierroguiers à Saint-Anne-du-Cours. Je suis venu chanter la messe de minuit en France à l'âge de 8 ans en 59.
Donc, quand la rumba est à son apogée, où on voit véritablement les deux écuries principales dans une espèce d'amitié, de rivalité, l'Oké Jazz d'un côté et l'African Jazz de l'autre côté, nous nous recevons par l'intermédiaire du patron de la chorale Saint-Anne-du-Congo, M. Émile Bois, paix à son âme, qui était notre maître à l'école primaire Saint-Vincent-de-Potopoto, nous recevons par lui le goût de la mélodie. Les exercices de vocalistes que nous faisions avant d'entamer la répétition des chansons comme Susanna, Otay Moro, Ngandu Nyamanama et autres, même des chants religieux, on les faisait parfois à partir des harmonies des orchestres comme l'African Jazz ou l'Oké Jazz. Et donc, c'est par la radio que mon oreille a été formée à décrypter et à aimer les chansons qui passaient régulièrement depuis 1955 jusqu'à au moins 1965. Ensuite, j'ai vécu mon adolescence dans un bar à Potopoto qui appartenait à mon oncle. À l'époque, c'était le phonographe comme instrument de passage des musiques en 1978. Donc, c'est nous qui tournions la manivelle et qui choisissions les musiques qui chantaient à tue-tête dans le quartier pour que tout le monde puisse les entendre. Donc, ça a laissé une empreinte extraordinaire dans ma mémoire qui fait qu'aujourd'hui, un air peut immédiatement déclencher un processus dans mon cerveau qui dit « ça, c'était l'orchestre à telle année ». D'accord. Comme par hasard. Et lorsque nous sommes devenus un peu plus grands, le passage initiatique nous contraignait à écouter la musique en tant que ngembo. C'est-à-dire, vous savez, l'ngembo, c'est les chauves-souris. Les chauves-souris, et donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose, ça voulait dire ceux qui ne pouvant pas entrer dans le bar, grimper sur les murs des bars ou monter aux arbres pour ne rien rater de ce qui se passait dans le bar. Et donc, ngembo, c'était juste relatif au bar, en fait. Mais bien entendu. L'ngembo, c'est ça. Par extension, par la suite, au stade, on n'avait pas de ngembo. Au stade, vous entrez, vous n'entriez pas, ou vous montrez sur les trucs. Mais il y avait aussi, je me souviens, au stade de Boué, sur les manguiers qui entouraient le stade de Boué, des gens qui grimpaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'entrer au stade. C'était aussi des ngembo, mais originellement, le terme désigne les fanatiques et les groupes qui assistent gratuitement au concert en étant juchés sur les murs. Et donc, c'est là où nous arrivons à repérer les meilleurs danseurs. Nous arrivons à applaudir les prestations des orchestres, les gestes des saxophonistes, des guitaristes, de Franco et tout, et tout. Et tout ça rentre dans l'intériorisation de la rumba. Mais revenu chez nous, on ne peut pas concevoir une émission de radio 24 heures sur 24 sans qu'il y ait des plages de rumba. Ouais. Donc, comme vous, nous avons baigné dans la rumba. Comme vous, nous avons grandi dans la rumba et ça reste. Plus tard, lorsque nous commençons à devenir des candidats à la relève, nous commençons à organiser des surprises parties, nous commençons à nous aussi exercer des pas sur les pistes de danse, nos aînés sont un peu plus en moi, mais les modèles restent les modèles de nos aînés. Donc, la rumba, ce n'est pas étonnant. Et sans compter que, grâce au poids de la radio, Radio France Équatoriale, Radio Afrique Équatoriale, qui a été dotée, je crois, autour des années 43, d'un émetteur puissant par la France via les États-Unis, pour pouvoir mieux faire passer les messages de résistance contre l'occupation allemande, a été aussi le vecteur principal de la diffusion de la musique des deux Congos dans toute l'Afrique. Et donc, je précise que vous êtes un bon sociologue. Je suis sociologue. C'est vraiment une richesse tout ce que vous me dites. Mais c'est mon boulot. Oui. Et donc, je perçois que la rumba, ça a traversé les époques. Ça a traversé les époques. Rumba de l'indépendance. Ça a traversé les continents. Oui. Parce que, je me souviens, je suis allé en mission une fois au Cameroun. J'ai entendu un groupe à l'occasion de la fin d'un colloque et essayer d'interpréter un titre de Mutore comme qui s'appelait Makamomi Bale. Ils ne connaissent pas un mot de Lingala. Ils chantaient ces terres du cosmos avec les bantous en évitant Makamomi Bale, et bon même au Kirimo Dimba, et bon son de Vikamoya Falanda. Donc, vous voyez que j'ai encore a cappella et une voix un peu harmonieuse. Voyez-vous, donc c'est comme nous à l'époque où les Franco, les Edo, les Seyo, les Essou, composer des chansons soi-disant en espagnol, mais c'était une espèce de lingagnol en réalité. Donc un mélange de lingala avec l'espagnol, ils se contentaient de trouver des consonances hispaniques à un certain nombre de mots et ils déployaient ça. Donc
toute l'Afrique de l'Ouest a été éduquée à la guitare de Nico, à la guitare de Tino Barroza, à la guitare de Dino, de Guivano, de Géry Gérard, de Papa Noël, parce que l'orchestre bantou, par exemple, à l'avènement des indépendances, a été invité par des chefs d'État, notamment la Côte d'Ivoire, pour aller se produire en exécutant les morceaux qui avaient fait le succès de la célébration de l'indépendance à Brazzaville sous la Réunion. Les Bantous de la capitale. À l'époque, c'était Bantou Jazz. Ils sont devenus Bantou de la capitale que par la suite, lorsque Célio compose un titre qui s'appelle Bantou de la capitale, édité aux éditions CEPHA, et à partir de là, le nom est parti. Bah, à l'origine, ils sont nés en 59, ils ont fait leur première prestation en août 59 au bar Feignon, sous l'appellation Bantou Jazz. Parce que les trois quarts des orchestres avaient accolé avec leur, à leur nom l'adjectif jazz, Bantu jazz, African jazz, Negro jazz, Ok jazz, Circle jazz, Dynamic jazz, Vedette jazz. Pourquoi? Parce que le jazz est l'une des influences, peut-être pas aussi importante que le son cubain, mais l'une des influences fortes qui parle aux artistes de chez nous entre les deux guerres et notamment au moment de la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'arrivée des marins américains, la diffusion du jazz dans les ondes, le passage de Louis Armstrong à Kinshasa, après sa tournée africaine, ont influencé beaucoup de choses, mais sans véritablement prendre comme le son cubain a pris chez nous, comme le high life ghanéen a pris chez nous, comme les biguines martiniquaises, comme le calypso ont pris chez nous. Mm-hmm. Voyez-vous ? Et donc, dans les années 60, vous avez des orchestres qui, sous le label de la rumba, jouer en réalité des pas de danse qui étaient des pas de danse caribéens. Le boléro, le calypso, le cha-cha-cha, le merengue. Et le boucher. Le boucher, c'est une forme de chorégraphie au sein de la rumba qui est venue de Brazzaville, à la faveur des Jeux africains. Mais par la suite, vous aurez le kiri-kiri, ainsi de suite. Mais je parle des fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez le calypso qui se joue à Trinidad et Tobago, vous écoutez la samba qui se joue au Brésil, vous écoutez le merengue qui se joue à Porto Rico, et réécoutez Franco, réécoutez l'African Jazz, réécoutez les bantous de la capitale, vous allez avoir pratiquement au niveau du tempo, au niveau de la chanson, au niveau de l'orchestration, quasiment la même chose. Vous mettez un Haïtien, vous mettez un Congolais, vous mettez un Martiniquais, ils sauront danser la même chose. Maintenant, le boucher, le kirikiri, le soukous, le ndombolo, le kabacha, tout ce que vous pouvez imaginer, ça, ce sont des formes de chorégraphie que la troisième génération des musiciens ont inventé lorsque Rochereau, le premier, a donné le signal après son passage de l'Olympia, où on a entendu, on a assisté à une extinction des instruments avant, un accent plus particulier mis sur les guitares et sur les percussions et la batterie, et qui a donné naissance aux Aiko Langalanga, Wemba, Grand Zaïko, Shockstar, et toute cette écurie jusqu'à l'arrivée actuelle des Fali Lupa des Innocents. Solo Boani pour la guitare, Pomo Linanda, Pelikembe Wanga, guitare. Oka guitare. Que serait la rumba sans Toto Toto et le Barthélémy? Excellente question. Ouf, mais là vous me renvoyez à beaucoup de choses. Bon, en un mot, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, la rumba est née en situation coloniale. C'est-à-dire une situation dans laquelle l'espace urbain est divisé en deux territoires. Le territoire des Blancs, le centre-ville, et le territoire des indigènes, des Nègres, des Africains, les quartiers populaires. Potopoto, Bakongo, Lingwala, Barumbu, Kinshasa et autres. Au sein de ces espaces, il y a une séparation nette imposée par l'ordre colonial qui a des buts précis à atteindre, mais contrôle également le comportement de ceux qui sont assujettis, c'est-à-dire de ceux qui sont sous son autorité. Interdiction de franchir les limites qui séparent les quartiers indigènes et les quartiers européens, la Gombe à Kinshasa, le centre-ville à Brazzaville,
obligation d'avoir un laissez-passer au-delà de certaines heures pour y accéder, et surtout absence de bruit. Absence de bruit. Parce que les Africains qui ont créé les villes ne sont pas nés avec la ville. Ils sont venus de l'arrière-pays. Ils sont venus pourquoi ? Ils sont venus pour chercher et trouver du travail. Donc, lorsque l'exode rural transporte tous ces gens dans les villes, ces villes ressemblent un peu, toute proportion gardée, aux townships tout sud-africains. C'est-à-dire, c'est des camps de travail où l'on va en ville pour vendre sa main-d'œuvre parce que l'on est en train de construire l'aéroport, on fait une route, on construit un hôpital. C'est des gens qui sont des apprentis, des manœuvres et ainsi de suite. Mais le soir venu, comment ils se reposent ? Comment est-ce qu'ils se détendent ? Ils se regroupent par association d'originaires. Les premières musiques urbaines sont des musiques fondées par l'identité de leurs origines. D'accord. Ok ? Et donc, on a tendance, avec une bouteille, une caisse, à reproduire les chants des Tetela, des Kouyou, des Moshi, des Bakongo, des ceci et tout, dans les quartiers. Mais tout ça, il faut le faire loin. Par contre, les Européens, eux, ils avaient la possibilité de se détendre en écoutant les musiques de chez eux, en écoutant du tango, en écoutant Tino Rossi, en écoutant Dario Moreno. Ils avaient la possibilité de faire venir des orchestres antillais qui venaient avec des clarinettes et ainsi de suite. Et nous, on assistait, nos papas, nos grands-papas étaient des ngembos de cette musique-là. Ils ont introduit la guitare. Et donc, des gens comme les Wendo, les Paul Kamba et autres passent des instruments rudimentaires qu'ils avaient, les patengue, les bouteilles, parce que les bouteilles étaient des instruments de musique. Hein. Les mains, regardez toutes les danses de chez nous. Oui, les mains. Le clapping. Le pas de danse est ponctué par un instrument naturel que sont les deux mains assemblées. Voyez-vous ? Donc, tout cela est remplacé progressivement par des instruments que l'on apprend. L'accordéon, la guitare, le tam-tam, le saxophone, ainsi que la contrebasse. Et on écoute en même temps et on essaie de singer ce que faisaient les autres. C'est ainsi que petit à petit, les mélodies ont commencé à être écrites, mais en s'adaptant sur des canons et des codes, qui sont des codes extérieurs, renforcés par l'arrivée du gramophone, donc du disque de 78 tours, où on entend des sons cubains qui s'apparentent aux mélodies qui sont les nôtres. Donc, le mot rumba en lui-même est une désignation commercial donné à la musique qui était pratiquée par les éditeurs de musique à l'époque. La première maison d'édition qui sort les disques des Congolais, c'est la maison Olympia. Olympia. Par la suite, vous avez d'autres maisons qui vont être créées, par les Grecs, notamment à Kinshasa, des maisons comme Ngoma, des maisons comme Opika, des maisons comme Essengo, des maisons comme Loningisa, qui vont commencer à comprendre qu'il y a là une demande, il y a là devant un public. Ils créent à l'intérieur de leur boutique des premiers studios d'enregistrement au sein desquels mais on va demander à des musiciens de venir faire un air presque sur commande qui sera diffusé dans les bars et qui par la suite fera le succès de la personne. C'est de là où est née la corporation des musiciens professionnels et tout. Et donc, les instruments comme la guitare électrique a été introduite au Congo par un Belge appelé Bill Alexandre. La clarinette par un certain nombre d'orchestres antillais. Les fanfares des musiques, quand il y avait la fête nationale française, le 14 juillet, on allait voir le défilé. Donc on aimait les parades, les églises aussi, par le chant choral, par l'harmonium, par le piano, par l'orgue, enseignaient aussi. Les oreilles aussi captaient cela. Donc beaucoup de musiciens de chez nous sont sortis aussi de l'église en tant que site de formation de leur oreille et de la chanson. Kabasele est sorti du chant choral. Kabasele Yampagne à Pépé Calais est sorti du chant choral. Rochero a chanté dans les chants chorales et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'influences qui justifient que la musique soit implantée dans les quartiers indigènes. Mm-hmm. Parce que c'est une prise de parole. La métaphore, elle est là. La musique est la parole des indigènes sous l'ordre colonial. D'accord. Et le colonial récupère cette prise de parole pour en faire un produit commercial, et c'est de là qu'est partie l'extension, parce que le métissage né de toutes ces influences va permettre l'éclosion d'une catégorie d'acteurs qui deviennent célèbres dans la cité, qui deviennent légitimes, et qui en même temps deviennent comme des modèles pour la suite. Vous partez maintenant au titre le plus célèbre de 1948, c'est Marie-Louise de Wendo. Marie-Louise.
Marie-Louise, Marie-Louisa, solo et naïnaïo. C'est la rumba emblématique des années 40. Voyez-vous ? Une histoire d'amour. Absolument. Donc, vous voyez bien que Poto Poto au bar Feignant est en fait le point de départ de l'activité des orchestres. Mais avant Poto Poto, il y avait d'autres bars. À côté de Poto Poto, il y avait d'autres bars. Il y a Mwendo Congo, il y a Macedo, il y a Gete Braza, il y a chez Bojoum, il y a chez Demolaï. Il y a plein de bars qui sont là-bas dans notre capitale et qui sont les lieux où les orchestres se produisaient. Il y a des orchestres de chez nous qui n'étaient pas aussi connus que ceux de Kinshasa. Pourquoi ? Parce que les studios d'enregistrement de mise en commerce des musiques étaient à Kinshasa. D'accord. Et donc, les gens traversaient notamment les tout premiers, Negro Jazz, Bohème, les orchestres de Wendo, Victoria Braza, qui va créer par la suite Victoria, non de Paul Kamba, Victoria Braza, qui va être par la suite donné chez Wendo, Victoria Braza, Victoria King, mais sont des orchestres qui naissent de la transhumance régulière entre les deux villes les plus rapprochées au monde. À Kinshasa, il y avait un couvre-feu, le vendredi, le samedi, les gens traversaient pour venir jouer à Brazzaville. Quand il venait jouer à Brazzaville, le lendemain, les gens de Brazzaville traversaient pour aller mettre en musique. C'est ainsi qu'il y a eu ce brassage et que, comme je vous l'ai dit, les musiciens de Brazzaville, bloqués à Kinshasa, ont été utilisés par les maisons d'édition pour créer les ensembles qui donneront par la suite l'Oké Jazz. Oké Jazz a été créé en 1956 par la maison Loningisa avec Essou, Jean-Serge Brazzavillois, Edo Nganga, Brazzavillois, Kouka Célestin, Brazzavillois, n'est-ce pas ? De la Lune, Loubello, bassiste, Brazzavillois. Les quatre qui ont créé l'orchestre Oké Jazz avec Franco, Brazos, Vicky Longo. D'accord. Voilà. Mais c'est passionnant, mais voilà. C'est vraiment passionnant, mais malheureusement, on va revenir sur des choses un peu bien plus sûr. Au niveau de l'UNESCO. Mm-hmm. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une candidature qui a été portée par les deux combos. Mm-hmm. Nous imaginons qu'il y a un travail assez énorme. Ah, oui. Quand on s'est eu au téléphone hier soir, c'est ce que vous m'avez dit. Vous n'imaginez pas le travail qu'il y a eu derrière. Derrière, il y a un travail. Et donc, décrivez-nous. Il y a un travail au noir, il y a un travail qui, je dois le dire rétrospectivement, j'en parle avec gravité parce qu'on ne pourrait pas imaginer le niveau de stress qui nous a habité pendant ça, en contrepartie de quoi les moyens n'ont pas toujours suivi. Donc c'était véritablement un travail, un sacerdoce. Et je voudrais ici commencer par rendre hommage à quelques-uns d'entre nous qui nous ont laissé en cours de chemin. Je pense notamment au président du comité scientifique de Brazzaville, le très regretté mon frère cadet, Mfoumou Basilite, au nom du Koalitiasia, qui n'est plus de ce monde, Sylvia Basoka, qui a été un grand producteur, qui a permis à la musique de se faire connaître ici. Il a été quand même l'un des grands animateurs de la station Mélodie d'Afrique. Mm-hmm. Je pense également à Jean-Pascal Mboslin, qui est un chroniqueur radio, un journaliste professionnel, qui a animé sur Radio Courbet une émission régulière consacrée aux musiques de l'époque. Et donc, l'hommage que nous devons rendre à ses collègues, à ses frères, est très important, d'autant plus qu'eux, ils n'auront pas vu l'aboutissement de ce travail. Maintenant, la constitution de ces équipes a obéi à au moins trois critères. Le premier critère, c'est la compétence. La compétence, il fallait la trouver. Nous l'avons trouvée parce qu'à Kinshasa et à Brazzaville, il y a des universitaires qui ont travaillé et qui travaillent encore sur la rumba comme objet social, comme centre d'intérêt sociologique, pluridisciplinaire. Je citerai le professeur Yokani Mudaba Kinshasa, qui est très connu en tant qu'universitaire, mais à côté de lui, vous avez des grands noms, hein, comme Manda Tchéboa, comme Didier Moumengui, comme plein d'autres gens qui ont travaillé et qui ont produit. Je parle de Yokali parce que je le connais personnellement, il a étudié ici, il a été un Sorbonne comme moi, et il a publié beaucoup d'ouvrages sur la rumba, notamment un ouvrage avec un anglo-saxon qui s'appelle Bob White, sur une bonne enquête d'anthropologie urbaine sur l'écoute de la musique à Kinshasa et les rapports avec les dynamiques sociales. Bob White, que je cite, a aussi fait d'autres bouquins, d'autres articles sur la musique à Kinshasa à l'époque de Mobutu, l'utilisation politique. On a fait ainsi de suite. Du côté de Brazzaville, à la mort de Mfumo, le comité scientifique a été confié par le ministre Moyongo, que je remercie aussi, à Joachim Gomatete, qui est un historien de formation et qui a lui aussi produit un livre sur Jean-Serge Essou, qu'il connaît bien, dont il a étudié toute l'histoire, la biographie et tout.
Et donc, nous autres, nous nous sommes mêlés de cela. Moi, bon, parce que j'avais écrit des articles sur les bars, sur la sociologie des bars, sur le quotidien brazzavillois. Je suis un ancien étudiant de M. Georges Balandier, qui a, au cours des années 50, fait deux ouvrages très importants, sociologie des Brazzavilles noires et sociologie actuelle de l'Afrique noire. Donc, il a travaillé à Brazzaville, il a exploré ces endroits-là et il nous a donné en héritage une espèce de curiosité sémantique sur la compréhension de tout ce qui se passe dans la société. Donc, le comité scientifique s'est réuni, on a tenu un colloque sous l'égide de l'UNESCO à Kinshasa, pour mettre un peu les choses au point. Ensuite, là, tout récemment, à Brazzaville, on a fait encore une table ronde sur la rumba. Donc, tous ces travaux pourront certainement être publiés, mais l'objet était de dire, les historiens, des musicologues, des anthropologues, des chroniqueurs, notamment notre grand frère Clément Ossinandé, qui a fait énormément de trucs sur la rumba, mais en s'appuyant aussi sur les travaux antérieurs, les travaux de quelqu'un comme Nono, les travaux de quelqu'un comme Sylvain Bemba, qui a ouvert un peu le champ en écrivant, en donnant dans les années 80, un ouvrage intitulé « 50 ans de musique du Congo Zaïre ». Sylvain Bemba n'est plus seulement le ministre de la culture. Donc, ce comité a travaillé et a répondu à chaque fois que de besoin aux exigences de l'UNESCO. On nous demande un élément de plus, le comité se réunit, on fait une synthèse et on envoie la réponse. On nous demande la participation des communautés. Donc les communautés sont mobilisées, on nous demande un film, on apporte, on demande... Donc tout le travail pendant un an et demi a été celui de l'assemblage des pièces du puzzle telles qu'exigées par l'UNESCO pour valider la candidature. Et lorsque ça n'était pas encore au point, on nous posait à nouveau des questions. Êtes-vous sûr que, est-ce que vous pouvez ajouter? On apportait encore des réponses. Quand le dossier a été bouclé et considéré comme était bloqué zingué, on nous a dit, OK, vous attendez maintenant le résultat. Et le résultat, ça a été, une angoisse permanente. Parce que quand les chefs d'État se sont mêlés, c'était devenu une mission prescrite par les chefs d'État. Parce qu'ils ont compris l'impact que ça pouvait avoir, et donc nous n'avions plus le droit d'échouer. Or, l'échec ou le succès ne dépendent pas de nous, ils dépendent d'un jury qui est constitué par des gens qui probablement n'ont jamais entendu un pas de rumba. Mm-hmm. Donc il fallait un lobbying. Par des pays différents. Mm-hmm. Vous avez le Kazakhstan, vous avez l'Azerbaïdjan, mm-hmm. vous avez... Attendez, qu'est-ce qu'ils connaissent la rumba? Absolument. Donc c'est un comité intergouvernemental qui juge sur un certain nombre de choses. Et même la réunion qui s'est tenue à Virtuel à Paris devait à l'origine se tenir à Colombo, au Sri Lanka, mais qui était la pandémie. Donc vous voyez que rien n'était gagné malgré la qualité ou la solidité d'un dossier scientifique a priori pour nous-mêmes. Il fallait donc accompagner. Accompagner comment? Par la diplomatie. La diplomatie, c'est du lobbying comme on sait le faire à l'UNESCO. À ce moment-là, le relais a été pris par nos autres ambassadeurs qui sont ici. Le professeur Mandakiza Viper, son âme, nous a quittés au moment où nous en avions besoin. Nous devions à l'origine même avoir un parrain de notre candidature. On avait pensé à Manu Dibango. Manu Dibango est parti. Lui aussi, perd son âme. L'année où le dossier est arrivé, on a pensé à Sam Mangwana. Malheureusement, Sam Mangwana n'a pas eu tout à fait les leviers qu'il fallait pour pouvoir le faire. Donc, nous sommes partis. On a pensé à Henri Lopez. Lui-même aussi était en fait avec des problèmes de santé et tout. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour que cette candidature, d'abord, soit solide, respecté et autre. Et le deuxième critère sur lequel on devait s'appuyer, c'est la compétence. Oui. La compétence de ceux qui feraient partie du comité scientifique. Oui. Je viens d'en parler. Oui. Bon, il n'y a aucun problème. Le troisième critère, le plus important, c'est la résonance et l'impact attendu de ça. Oui. Comment est-ce que nous nous pouvions réussir si quelque part nous ne convainquions pas nos collègues de faire le nécessaire? Oui. C'est à ce moment-là que le groupe Afrique de l'UNESCO, en particulier le groupe Afrique centrale, a relayé notre démarche et nous a permis de faire cette soirée de gala formidable où, de l'avis de tous, à l'UNESCO, on n'a jamais vu un objet être présenté de cette manière. Et c'était pour mesurer la résonance. Pour mesurer la résonance, nous avons pris la responsabilité de mobiliser des musiciens de la diaspora, à la tête desquels nous avons placé Pela Simba. Pela Simba, c'est l'un des fondateurs de Touzaïna. Touzaïna, c'est un orchestre créé en Belgique dans les années 70 par des étudiants et qui a donné l'éclosion de toute la génération des Zaïko, Langalanga et autres. Donc dans ce groupe, vous aviez retrouvé des gens comme Armando, vous avez retrouvé des gens comme Poponi pour Benico, nous avons mobilisé la grande chanteuse
Payates, qui était avec nous. Nous avons recruté des danseuses, nous avons habillé, nous avons assisté aux répétitions. Ce n'était pas facile parce que les musiciens ne sont pas des gens faciles à gérer. Hein. Vous savez comment ils sont. J'ai appelé mon cadet Anita Ngapi, qui a contribué beaucoup à l'encadrement et au suivi technique professionnel de tout ce qui se passe. On a même été nous-mêmes jusqu'à corriger des chorégraphies pour que la soirée de gala soit une réussite. Bon, derrière ça, il y a eu d'autres événements, il y a eu d'autres acteurs parallèles. Il y a tous les chroniqueurs, Denis Malanda sur son site, José Nzolani sur son site, partout ailleurs, des voix se sont levées pour nous accompagner. Et donc, le succès est un succès collectif, mais comme vous le savez, la victoire est rarement orpheline. Quand il y a la victoire, tout le monde considère que c'est notre victoire à tous. On partage avec tous, mais ceux qui ont véritablement mouillé le maillot, ceux qui ont souffert et ceux qui ont dépensé, ne sont pas toujours ceux que l'on pense. Mais enfin, la victoire, elle est là. Oui. Elle rejaillit sur nos pays. Oui. C'est emblématiquement la victoire des deux Congos et on ne pouvait pas mieux espérer. Babina music Africa. Oh, la condoleza que l'Africa te l'accompagne. Happy Africa Week, UNESCO! Africa! Comment assurez-vous le service après-vente pour reprendre vos mots? Le service après-vente démarre lentement. D'accord. On compte sur vous, entre autres. Qu'il y ait des émissions spéciales, des plateaux, des activités. D'abord, il faut se réjouir. Donc, il faut commencer à organiser la réjouissance. Et après, ici à Paris, il va falloir aussi dire merci. À savoir dire merci aux artistes, aux journalistes, aux collègues de l'UNESCO, aux ambassadeurs. Tout ça, ça demandera un peu de moyens. Et au-delà de ça, le service après-vente, au-delà de la campagne médiatique et de la stratégie médiatique, il y a l'après-vente structurelle, l'après-vente institutionnelle, qui est sur la longue portée. Et donc, il peut y avoir des mesures gouvernementales dont nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas initiateurs, mais que nous pouvons éclairer à travers la stratégie qui a déjà été préparée, qui est déjà dans un document validé par les deux Congos, qui va permettre maintenant, sur le court, le moyen et le long terme, de développer la pérennisation de la rumba et sa sauvegarde. Et donc, on va à Kinshasa. Donc, Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Qui compte le plus grand nombre de locuteurs francophones. La reconnaissance de la rumba, donc, c'est la reconnaissance du lingala, du français, parlé, comme on le sait maintenant, très enrichi, très coloré. Pourquoi voulez-vous que le lingala soit sur la reconnaissance du français? Pourquoi? Non, le français. Mais combien de chansons lingala, combien de rumba qui sont en français? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Les quelques-uns qui se sont hasardés ou bien qui ont taquiné le français, à ma connaissance, c'est Kamasele, parce qu'il a repris des grands titres qui sont connus. Moi, je suis un fanatique de Calais à 200%, je pourrais vous les citer. C'est Champrou, c'est Rochero, L'âge et l'amour, et autres. C'est un peu Loke Jazz quand le film maîtrise, c'était une chanson de Claude François dans les années 60. Bon, donc le français en soi, oui, bien sûr que démographiquement, si on considère que la puissance d'un pays, la puissance linguistique se jauge à l'aune du nombre de locuteurs, oui, sans doute. Mais la rumba est d'abord, et pour ne pas dire à 80%, la rumba est une musique en lingala. Elle a incorporé d'autres langues locales, le Kikongo, le Chiluba, le Swahili, un peu le Moshi, le Nkutuba, par les orchestres. Ah ben oui. Bah, écoutez, le répertoire des Bantous de la capitale, quand vous écoutez Comité Bantou, le Comité à Bantou, c'est de la rue. Bon, vous écoutez les merengues de Loke Jazz, ah, mais non, Ngombele, oh, mama, c'est de la rue. Bon, vous écoutez Franco, et tout ça, vous écoutez Kabasele, Ilunga Zeferi, non, moi, en Équateur, ou bien Mbombo Chimbalanga, bon, ça, c'est du rue. Voyez-vous, Samanguana, même l'espagnol. Bon. Donc, ça rejaillit secondairement sur ces langues officielles. Mais à l'origine, je serais tenté de vous suivre si vous me dites que grâce à la rumba,
les linguistes disposent désormais d'un matériau original qui est constitué par le lingala de la chanson. D'accord. Et là, il y a de la matière. Il y a de la matière parce que il existe plusieurs niveaux de lingala. Donnez un exemple. Ça, c'est la radio, c'est la télé. Mais vous, au quotidien, dans la rue, vous ne dites pas lokota loa lingala. Vous raccourcissez, vous avez un langage qui est plus un langage populaire. Là-bas, à la télé, c'est un niveau de langue beaucoup plus recherché. Voyez-vous? Bon, vous allez dire Masangana Baye. Ça veut dire Nabaye. Ça veut dire j'en ai marre. Ça, c'est quoi? C'est du lingala. Donc, ça veut dire que c'est de l'argot lingala. Donc, vous voyez qu'il y a des niveaux de langue dans le lingala qui peuvent en eux seuls faire l'objet d'une investigation poussée avec des mots qui sont incorporés, qui viennent du français, qui sont déformés. À l'époque, il y avait même un lingala qu'on appelait le lingala indoubile. Indoubile, absolument. Et le lingala, vous avez un 45 tours, vous dites tcha-tcha-tcha lingala indoubile. Lingala indoubile, c'était composé de deux mots. Hindou et les billes. Les hindous, c'était les films indiens, et les billes, c'est ceux qui sortaient du cinéma, les billes codies, ainsi de suite. Bon, quand on te dit Yuzunaza Yuma, Yuma c'est quoi? Yuma c'est quelqu'un qui est une espèce d'imbécile ou d'un type sans valeur. Bon, Rochelot le chante. Nakanisi Bilia Kingaliko, Malukaba Kamatanga le Yuma, et l'homme est à quoi Kaliko? Makamatanga le Yuma, ça veut dire un Mouta, un paysan, un type qui n'a pas de. Bon, donc, tout ça. C'est un corpus qui est offert aux sociolinguistes qui peuvent demain travailler sur la lingala, sur le lingala à partir des chansons et des spécificités du lingala. Et là-dedans, vous avez beaucoup de registres. Vous avez le registre de l'humour chez Franco. Vous avez le registre de la satire sociale. Mario, vous avez le registre de l'attaque politique, de la critique politique. Vous avez le régime de la propagande politique. Vous avez le registre de l'amour. Donc, c'est un matériau composite extraordinaire. Et imaginez que ce soit traduit. Imaginez que ce soit en anglais, en espagnol, même en japonais. Parce qu'il y a des japonais qui chantent le lingala. Il y a des groupes qui sont devenus des groupes de sapeurs au Japon. Là où les cultures étaient négligées, les japonais ont compris l'importance et ont repris les choses. Donc, Kinshasa, Brazzaville, nous sommes assis sur un gisement. Nous sommes assis sur un gisement et il n'appartient qu'à nos autorités de bien sonder ce gisement, de mettre les ressources qu'il faut, d'avoir les hommes qu'il faut et d'avoir une stratégie de valorisation de ce gisement. Vous allez voir, ça va accompagner les choses au même titre que l'agriculture ou autre chose. Et donc, c'est donc... Ça, c'est important, hein. C'est important, ce que vous venez de dire. C'est très important ce que vous venez de dire. Donc, c'est également une reconnaissance de la fait, mémoire. De fait, absolument. De fait, parce que nous ne pouvons pas entrer de cette manière aussi brillante dans l'histoire si quelque part nous ne valorisons pas la sédimentation de cette histoire, si nous ne valorisons pas le socle à partir duquel nous avons grandi. C'est la raison pour laquelle il est important que les scientifiques s'accordent sur les légendes qui circulent autour de la rumba. D'où elle est née? Comment elle a circulé, comment elle est arrivée, quels sont les exemples. Toutes les musiques mondiales aujourd'hui sont, par définition, des musiques métissées. Donc, il y a une créolisation de la langue. Donc, c'est important que le travail de mémoire puisse s'emparer de cet objet, s'appuyer sur la légitimité de l'UNESCO et de tous les savoirs cumulés à l'UNESCO, qui a un fonds documentaire, sinon unique au monde, en tout cas, l'un des meilleurs, et à partir de là, faire en sorte que les anneaux de la mémoire par rapport à l'esclavage, par rapport à toute cette dynamique sonore qui a amené la rumba en partant par les Caraïbes, tout ce qui concerne la valorisation des objets ancestraux, de la musique traditionnelle, le likembe, le tam-tam, le lokolé, les hochets, tout cela aujourd'hui est incorporé dans la production des sons de la rumba par le maracas, par le tumba, par le bongo, par la guitare. Mais Mundanda, il a fait avec quoi?
avec voyez-vous, avec un piano à lamelles. Bon, il y a des arcs comme le balafon, comme la kora. Donc tout ça là aujourd'hui participe, j'allais dire, du stock instrumental disponible à partir duquel on écrit la rumba. Il faut le valoriser. Le valoriser, ça voudra dire aussi qu'il faut interpréter et interroger les formes tradies modernes. Si vous prenez au Congo des groupes aujourd'hui qu'on appelle vocal bantou, on appelle ça la musique tradie moderne. Oui. Pourquoi ? Parce que ça incorpore une écriture rythmique, une écriture mélodique avec un pas de danse qui est une danse du terroir, au lé. Mm-hmm. Si vous interprétez aujourd'hui la musique religieuse, vous voyez bien que la vogue, le succès des églises de réveil incorpore, sans le dire et sans parfois l'avouer, même à son corps défendant, les contributions de la rumba. Il y a des séquences dans la liturgie des églises au cours desquelles on peut dire louons ou adorons, où vous avez un orchestre avec un clavier, avec des trucs, où les fidèles chantent et dansent sur des tempos qui sont les tempos de la musique profane. C'est pas vrai ? C'est vrai. Bon, donc quelque part, le religieux incorpore le profane, mais le vecteur essentiel, c'est le soubassement culturel lié à la rumba. Pourquoi ? Pourquoi même dans les églises catholiques traditionnelles, un concile avait accepté que l'on puisse africaniser le rituel. Aujourd'hui, vous avez dans les églises, à l'entrée du culé ou à l'offertoire, des jeunes filles qui dansent, qu'est-ce qui est sympa de danse ? Avec des corbeilles, pourquoi ? C'est sympa de quoi ? C'est pas du tango, c'est quoi ? Regardez bien la chorégraphie qui est faite, et les chanter comme. Voyez-vous ? Donc, il y a une espèce d'envahissement général, mais dont on ne va pas se plaindre. Il y a une espèce d'imprégnation générale de l'ensemble de nos codes par le soubassement culturel qui est notre rumba. C'est très important. Alors, nous arrivons au terme de cette interview très, très passionnante, vraiment. Et donc, je voudrais vous poser une question un peu plus grave. Hein, jadis, la rumba enseignait, éduquait, transmettait les valeurs. Ah oui. Voilà. Mais actuellement, c'est vraiment le contraire avec les nouveaux groupes que nous connaissons actuellement. Il y a des scandales, l'exploitation des femmes à travers les danseuses, toutes les histoires qu'on entend. Et vous, qu'est-ce que vous pensez ? Que peut faire qu'est-ce que cette inscription donc peut donner pour qu'on accède à, pour qu'on arrive à encadrer en fait tout ça ? Alors, il faudrait au départ avoir à l'égard de ce type de pratique un regard distancé, c'est-à-dire ne pas confondre le point de vue moralisateur avec la mise à plat du phénomène et son analyse, n'est-ce pas ? En sociologie, on exige cela, la distanciation entre l'œil du chercheur et son engagement personnel. D'où viennent ces phénomènes ? Déjà au départ, la rumba, même danser sous le couple, est un pas de danse érotisé. Les ondulations du bassin de l'homme et de la femme, métaphoriquement, simulent l'accouplement. N'est-ce pas ? Il arrive un moment dans la rumba classique où le couple se sépare et où chacun fait son pas à lui. Ce qu'on appelle le chauffer. On abandonne la cavale. Le chauffer. Donc, c'est parce que ces chauffés-là permettent le libre cours au cavalier et à la cavalière de s'exprimer, c'est un travail d'expression corporelle, que au tournant des années 70, les groupes qui ont apporté une nouvelle écriture de la musique ne se sont plus souciés de la partie enlacée de la rumba pour passer à la partie individualisée du pas de danse. Et les chorégraphies ont commencé à ce moment-là avec l'influence de beaucoup d'autres facteurs. Il y a eu l'influence de Rhythm and Blues, James Brown, Rochereau à l'Olympia, Claude François avec ses Claudettes. Quand Rochereau met ses Rocherettes dansent quoi ? Elles ne dansent plus en couple, elles dansent seules, habillées d'une certaine manière, avec des chorégraphies. Et la mode a pris. Donc, l'écriture et la déclinaison de la rumba au tournant des années 70
1974, avec les orchestres comme Zaïko et toutes leurs émanations, les Papa Wemba et autres, a comme naturellement accentué l'insistance mise sur la chorégraphie au détriment de la mélodie et du pas. Du coup, vous avez comme une espèce de hiatus entre les générations qui considèrent que la rumba, c'est une rumba respectueuse. Papa Kamata Mamo Vina, vous dansez, à la limite, ça devient monotone. Mais les jeunes qui sont plus nombreux, qui sont plus urbains, qui ont d'autres types de demandes, qui sont influencés par d'autres choses, ne sont plus satisfaits uniquement de ça. Ils vont s'ennuyer. Mm-hmm. Moi, j'ai même vu à Brazzaville, quand je suis rentré, en 1983, des formes de danse enlacées qui n'étaient même plus respectueuses du pas. Ils dansaient à contre-temps, dans une forme enlacée, une espèce de tango langoureux où tout était là, mais qui était très suggestif. Donc, ce n'est que la conséquence de la poussée non arrêtée vers cette déclinaison de la chorégraphie. Mais à l'origine, n'oublions pas que pour des chansons, pour des pas de danse et autres, pour des cris qui étaient des cris considérés comme étant obscènes, des cris, c'est-à-dire des intonations, des excitations, ainsi de suite, et tout en ayamon, ayamon, ainsi de suite, des combinaisons comme ça. Bon, des musiciens ont vu leur titre censuré par les pouvoirs publics, au motif que c'était obscène, les textes de chansons et tout. Donc, le souci de régimenter, d'encadrer, de punir et d'assainir les mœurs est réel. Mais il n'est pas assez fort, il n'est pas assez puissant pour résister face à la poussée intempestive et à la poussée de ce qui vient. J'ajoute à cela, et c'est une dernière observation, que cette tendance négative, elle est aussi liée, bien sûr, aux influences extérieures, parce qu'il y a des modèles qui sont des modèles importés, mais également liée à une espèce de dégradation de l'environnement moral, de l'encadrement moral de cette jeunesse urbaine. Dans les campagnes, les gens n'ont pas accès à la télé, ou très peu. Les gens n'ont pas accès à ces pas de danse. Quand vous allez à la campagne, lorsque vous mettez un orchestre, les gens vous regardent et ne sont pas capables de vous copier pour faire ce genre de choses. C'est donc essentiellement une jeunesse urbaine. N'est-ce pas? Et la jeunesse urbaine, elle vit de quoi? Elle vit au quotidien de quoi? Elle vit de son corps aussi, notamment les jeunes filles. Donc, les musiciens exploitent ce créneau en se fondant sur une certaine érotisation permanente de la société, non pas érotisation à titre provocateur, c'est parce que chez nous, naturellement, on aime regarder le corps féminin, on aime valoriser certaines parties du corps féminin, et les filles en jouent. Les filles en jouent pour que, quelque part, on puisse attirer à partir de là. De là à ce que ça puisse devenir le ticket d'entrée de certains musiciens, c'est une tendance négative qui exploite, exactement, qui exploite à ce moment-là cette espèce de... Vous savez, ici, pour la soirée de l'UNESCO, j'avais prévenu les danseuses, hein, j'ai dit, vous allez exhiber la rumba, mais attention, le public est mélangé. Vous avez des pays qui sont des pays pudiques. Les États du Golfe, il y a des femmes qui portent le voile et tout. Donc, ne montrez pas vos nombrils. Donc, maîtrisez vos mouvements. Donc, portez le pagne bien attaché, ainsi de suite. Donc, ce sont autant de choses qui nous indiquent la voie à suivre. Mais le dernier point sur lequel je veux intervenir, c'est que la sauvegarde de la rumba va exiger d'un côté que nous acceptions et que nous respections la créativité de ceux qui ne sont pas obligés de faire du réchauffé avec Kali Rocher. Ok ? Prenons un garçon comme Inos, aujourd'hui, qui est, à mon avis, un bon artiste, qui innove dans ses chorégraphies, dans lesquelles il mêle du rhythm and blues, qui mêle du Michael Jackson, mais qui le fait sur fond de Lingala et autres, ça montre qu'il y a là quelque chose qui peut plaire. Sous l'influence des Nigérians, Davido, Flavor, Yemi Alade et autres, parce que notre pôle aujourd'hui d'appropriation et de diffusion de la rumba, même réinterprétée, c'est le Nigeria, où l'industrie culturelle, le cinéma, la rumba, la musique et autres sont très importants. Donc, vous avez donné la possibilité à des gens de le faire. Mais, si vous prenez Fally Ipupa, Fally Ipupa, c'est un mongo. Fally Ipupa, quand il danse de façon très érotisée avec ses mouvements de hanches, ça plaît au public, mais ça peut gêner les parents.
ça peut gêner l'éducation des enfants, ça peut gêner les autorités. Donc il faut faire attention à ça. De l'autre côté, il faut aussi travailler à ce que l'écriture mélodique ne favorise pas seulement l'éclosion de ces pas de danse qui sont des chorégraphies à n'en plus finir. Et enfin, vous verrez que même dans les patterns en anglais, je veux dire les modèles par lesquels on construit une chanson, aujourd'hui vous avez ce que les jeunes appellent le générique. Ouais. C'est-à-dire une instrumentation très agressive qui est déjà une espèce de chauffée avant qu'on ne reprenne la parole pour chanter la mélodie et revenir au chauffé. Les gens attendent avec impatience des les chauffer. Prenez un titre comme « Loi » chez Kofi, c'est presque uniquement que de la chorégraphie. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les puristes de la rumba. Voyez-vous, pourtant, c'est de la rumba. Donc, il y a des écoles, comme il y en a dans le jazz. Aujourd'hui, vous avez du free jazz, vous avez du jazz classique, vous avez du New Orleans, vous avez de l'afrobeat, vous avez des formes parallèle d'écriture de la même musique, du même genre, et qui n'en demeure pas moins de la rumba. Moi, je suis un traditionaliste. Je reste attentif à la rumba et je pense qu'il y a des morceaux de la rumba qui sont produits par des jeunes, même s'ils obéissent à cette tendance-là, qui restent, à mon avis, des monuments des titres classiques. Je prends chez Kofi. Prenez un titre comme Naomi, qui a chanté avec Wema. Prenez un titre comme Destination. Prenez un titre comme Papa Narwasi. Prenez un titre comme Sylvie. Prenez un titre comme Inch'Allah. Mais vous avez du bonheur à réécouter ça parce que ça vous renvoie à Nico, ça vous renvoie à Kabasele. Madilou. Prenez des trucs comme RTC Riva. Prenez des choses comme Si je savais ça. Prenez Niboma. Prenez Fayates. Donc vous voyez. C'est ça qui donne la respectabilité de la rumba. Prenez Papa Wemba, un truc comme Mi Amor. Oui. Oui. Bon, Fali Poupa, etc. De l'autre côté, Brazzaville, prenez Roga Roga, il y a des rumbas classiques. Prenez, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, ce jeune. Bon, bref. Du côté de Brazzaville, il n'y en a pas beaucoup, exactement. Nous sommes déjà pas très nombreux. Et en plus, la compétition est rude. Mais enfin, il y a de quoi faire. Hein? Donc, l'avenir est là. Moi, je suis persuadé qu'il y a de bonnes choses qui vont encore venir. Quand les gens vont se sentir portés par une impulsion gouvernementale qui fait que l'on puisse dire « je commence la rumba et je finirai à tel endroit », je suis sûr que des vocations vont se faire. Et le dernier mot, monsieur l'ambassadeur, pour nous dire comment vous voyez la suite de l'événement. Nous avons fait ce qu'il fallait, nous avons même plutôt bien fait. Nous transmettons à nos États respectifs le succès que nous attendions, qui, au niveau emblématique, va porter très haut, très très haut, le Congo, les deux Congos. Mais si la suite est du domaine public, il appartient aux dirigeants de déployer en rapport avec cette visibilité internationale que nous venons de conquérir et qui nous place très haut dans le référentiel de l'UNESCO, que nos chefs d'État, nos ministres, nos gestionnaires de la pratique culturelle puissent désormais réfléchir à l'application de la stratégie à laquelle déjà pensait le comité scientifique, puisque nous sommes aussi partis jusque-là,
de façon à ce que les politiques publiques sectorielles puissent incorporer la labellisation de la rumba, la sauvegarde de la rumba, la retransmission des codes et des valeurs liées à la rumba, et surtout, l'exploitation de tous les gisements liés à la rumba à travers les effets collatéraux dans le tourisme, dans l'écotourisme, la protection de l'environnement, dans les politiques du genre, dans la valorisation des jeunes filles, dans la protection des communautés, dans le service aux communautés. Tout cela fait partie d'un cahier de charges que les experts doivent exploiter. L'UNESCO restera toujours disponible. L'UNESCO est prête, par exemple, à accompagner nos pays dans le travail de numérisation de la rumba, de documentation de la rumba, dans la production des films documentaires, dans l'élaboration d'un certain nombre, la construction des musées, la collecte des objets, la conservation de ces, la formation des professeurs, les conservatoires de musique, les conservatoires de danse, l'apprentissage de ceci et de cela. Ça, c'est du ressort des politiques sectorielles publiques. C'est donc à l'État. C'est vrai que nos États ont des difficultés, que tout n'est pas prioritaire, mais que l'on puisse aussi penser à faire de ça bientôt, sinon de façon permanente, une des priorités de la vie nationale. Ok, ben merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur André Osseli. Je ne vais pas vous laisser sans vous demander une dernière fois une rumba à chantonner. Chéra, chéra, la rumba n'est là, y'a bon Afrique. Chéra, chéra, la rumba. La rumba n'est là, en Afrique. Ah, hey, maman, hey. La rumba n'est là, en Afrique. Ah, hey, maman, hey. La rumba n'est là, en Afrique. En Afrique. Yé, maman, bouligo. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir reçus dans votre bureau. Beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était très enrichissant. Et au plaisir de vous retrouver bientôt à Brazzaville. Je l'espère beaucoup. Ce n'est pas de rumba. Je l'espère beaucoup. En Bagne. En Bagne. Absolument, merci. Attaché de façon traditionnelle. Merci beaucoup. Merci. Ok. Allez, bon travail. Merci beaucoup.